Signé Furax. Troisième épisode. Regardez, patron, il pleure comme un gosse. L'homme qui a faim est un enfant, grognache. Oh, je peux pas voir ça. Alors, va prendre l'air sur le balcon. Oh, vous êtes dur, patron. J'y crois qu'il est évanoui. Et pendant ce temps, à Paris, Fouvreau, Carole et son père, le professeur Hardy Petit, penchés sur le poste, guettent un message de Théo. Non, mademoiselle Carole. Il lui est arrivé quelque chose, mais sûrement rien de grave. Il ne peut lui arriver rien de grave. On a trop besoin de lui. Qui ça? On. J'ai pas le temps de vous expliquer. Ah, excusez-moi. Allô? Ah oui, oui. C'est le numéro que vous avez demandé. Merci. Allô, le 28 à Tanger? Le bar de la Grimace? Allô, Black and White? Salut, Fouvreau. La liaison avec Théo est rompue. Quoi? Mais non, c'est pas une histoire de femme, c'est... Oui, voilà, vous y êtes, c'est ça. Contact coupé net. Plus de nouvelles, plus rien. Silence suspect. Il faut que vous agissiez immédiatement. Retournez au Généralif. Ça y est, ça. Par l'appartement du dessus, voilà. Vous voyez ce que je veux dire, le 893. Bon. Le plafond est admis dégagé. Eh ben, alors, vous devez réussir. Tous les quatre, oui. Et en souplesse. Tout doit se passer dans la plus absolue discrétion. ...893, c'est ici. Entrez, entrez, messieurs. Nous voilà chez moi. Et maintenant, doucement. Non, 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 Black, n'allumez rien. Cannelloni, torche à tapis. Signor. Ma torche électrique spéciale pour éclairer les tapis. Ah, voilà. Merci. Bon, voyons. Ici, le plafond est intact. Là aussi. Ah, voilà. Cannelloni, à vous. Bien, 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 bien. Signor la tapis, un petit trou pour commencer. C'est comme dans le Rififi. Vous passez d'abord un parapluie que... Un hein? Parapluie? Vous n'y pensez pas. Non, 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 non. Pour les tapis, on passe un... Papier tout mousse. Voilà, au bout d'un fil. Comme ça, les fragments de laine, s'ils en tombent, viendront s'y coller automatiquement. Mais dites-moi le... C'est du papier tumouche aimanté. Ah, ah, comme ça. Salomon à tapis. Cannelloni, ne découpez pas au hasard, suivez les dessins géométriques. Si. Nous ne sommes pas des vandales, c'est un très beau tapis. Le pire, c'est d'accord, mais l'abîmé. Hein. Allez-y, 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 hop là, allez. Ça y est presque. Stop, 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 Cannelloni, stop. Des pas. Et ce n'est rien. Non, non, attendez. Oui, oui, c'est le somnambule de service. Non, non, continuez, continuez, Cannelloni, continuez, mon vieux. Terminé. Pince à tapis. Écarteur de haute lisse. Cisaille à tapis. Râpe à tapis. Bronze à tapis. Voilà, ça suffit. Ils doivent dormir. On va les avoir à la surprise. Alors, l'ouverture est suffisante pour tous. En se serrant bien. Alors, tassez-vous, n'est-ce pas? Alors, tassez-vous. Là, oui. Vous êtes bien tassé? Oui, oui, oui. Allez, hop là, attention. Oh eh ben, ça y est. Ça y est, on y est. On y est. Ah. Eh ben, dites donc. Bah, quoi? Mais, il y a personne. Oh, Madonna. Oh, ils sont partis. Quelques heures auparavant, dans ce même appartement 793, voici ce qui s'était passé. Grognache, va ouvrir. Bien, monsieur Clacmu. Qu'est-ce que c'est? Un message pour monsieur Clacmu. Allez, donne. Voilà. Oh, bon sang. Un message du grand patron. Voulez-vous que je sorte, monsieur Clacmu? Non, tu peux rester. Je n'ai pas de secret pour toi, voyons. Ah. Stupide, Clacmu. Tu peux sortir, Grognache. Bon, bah alors je vais chez Théo. Stupide Clacmuf. À des milliers de kilomètres, je suis mieux informé que toi de ce qui se passe sous ton nez de vieille âne.
Le jeune Théo, tout en te berçant de la promesse de construire l'appareil, a réussi à fabriquer un émetteur clandestin. Oh, les fils de chiens! Voilà pourquoi le micro de mon téléphone avait disparu. Il a alerté ses amis qui vont voler à son secours. Il faut déménager d'urgence. Le cargo Carmen Tessier quitte Tanger demain avec les caisses que tu sais. Embarquez, vous, sans attendre. Votre première escale sera... Oh, nom d'un chien! Si loin que ça. Eh bien, moi qui ai horreur des voyages par mer. Enfin, pas un mot à quiconque sur la destination du bateau. Et tâche d'ouvrir tes yeux chassieux sur ce qui se passe autour de toi, sinon... Signé F. Sinon... Sinon, je sais bien ce que ça veut dire, ça. À nous deux, monsieur Théo. À nous deux, monsieur Théo. Qu'est-ce que vous me voulez encore? Ça vous suffit pas d'avoir essayé de me faire mourir de faim? Heureusement que j'ai eu le courage de manger mes semelles crêpes. Comment? Tu as mangé tes... Mais oui, patron, il a mangé ses semelles crêpes flambées au marasquin. Ah, vous êtes feinté une fois de plus, Claquemuf. Ah, tu me prends pour un imbécile, hein? Tu crois que je ne sais pas pourquoi le micro du téléphone a disparu? Et toi, grognache? Oui. Stupide, grognache! Oui. Tu n'as pas vu ce qui s'est passé sous ton nez de vieille âne? Ben quoi, patron, il a travaillé, il a reconstruit l'appareil. Enfant! Il a construit un poste émetteur. Non. Un émetteur pour prévenir ses amis. Saligo, comment l'avez-vous su? Petite hypocrite. Mais c'est fini la comédie à présent. Tu vas voir ce que j'en fais de ton poste. Tiens. Voilà. Mais qu'est-ce que tu as à rire? Pauvre idiot! Vous venez de démolir l'appareil! J'ai mes fous de ton poste! Mais ça n'était pas mon poste! C'était aussi l'extrapolateur de densité! Quoi? Je le descends, patron. On n'a pas les droits. Oh. Prépare les bagages, nous partons. Viens m'aider à sortir ma valise du vide-poche. D'accord. Ah, l'imbécile. Imbécile, mais dangereux. Où vont-ils m'emmener à présent? Tiens, un papier tombé de sa poche pendant sa colère. Voyons. Oh, il se fait plutôt engueuler, le Claquemuf. Signé F. Furax ou pas Furax? Tiens, voilà qui est intéressant. Première escale, où ça? Non. Eh ben, tu parles d'une traversée. Oh, comment prévenir le Black et White? Ils vont revenir, c'est sûr, après leur tentative ratée de l'autre jour. Laisser un message écrit? Non. Trop dangereux. Claquemuf le verrait. Oh, quoi faire? Voyons. Quelque chose qui n'aurait l'air de rien, qui pourrait leur indiquer où nous allons. Une sorte de rébus facile à traduire. Voilà. Cette tasse de thé, ici, sur la table. Un verre d'eau à côté. Comme ça, ils comprendront. Du thé, de l'eau, Théo. Ça leur mettra la puce à l'oreille. L'escale à présent. Ça va être plus coton. Mais oui, pourquoi pas? Ces petits sabots de Noël portent bonheur. Là, et puis mon fume-cigarette en ambre. J'espère qu'ils comprendront, à la grâce de Dieu. Allez, viens, face molle, on s'en va. J'arrive. Venez, mon cher Théo. Oui, voilà. Mais vous oubliez des objets à vous sur la table. Hein? Et quoi? Là. Votre fume-cigarette et ses petits sabots. Oh, vous savez, un porte-bonheur au point où j'en suis. À votre guise. Nous partons et cette fois-ci, j'ai craint que vos amis ne sachent plus où vous retrouver. Que Dieu ne t'entende pas, chien. Je le descends, patron. Oui. Ah, enfin. Avec l'ascenseur. Oh. N'oubliez pas de vous abonner, nous suivre sur nos réseaux sociaux et pourquoi pas nous aider financièrement.